Et compter
La divination contre nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous montre la victoire avant que le combat ne commence. C'est pourquoi nos cœurs n'ont peur de rien. Parce que nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Et personne, Seigneur, ne pourra quelque chose contre nous. Nos cœurs et notre Dieu demeurent sans crainte. Nos cœurs demeurent sans crainte. Parce que toi tu es là. Parce que toi le vainqueur tu es là. Véritable David tu es là. Véritable héros tu es là. Tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour nous donner la victoire. Pour nous délivrer de nos liens. Pour nous changer de malédiction en bénédiction. Sois glorifié. Nous te recommandons l'assemblée de ce soir. Nous te recommandons. Sois le seul maître. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Demandons grâce. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ a pas mal la main. Et le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ a puni sa main. Lui qui nous a fait grâce de nous retrouver ce soir. Oui, la salle qui sombre nous, la commune dans la poupée. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ils allaient dans la tasse la bisonte. Ce n'est pas parce qu'on s'était réveillé le matin, on a dit que le soir on aura culte. Ils allaient pour tout le monde, la tombe, tout le monde a pourquoi, tout le monde a l'ensemble. Que je dois m'y rendre. Et il va y dans le sang. Non, ce n'est pas cela. Ils ont monté. Mais c'est la grâce de Dieu. Ils avaient une bonne pas là. Il a permis que nous nous retrouvions devant de lui. Il a salué de qui tous à la nous a accordé cette grâce de venir célébrer son culte. Il a salué son goût et à nous a compté parmi les adorateurs. Parmi la grâce. De nous approcher de lui. J'ai toujours dit que c'est une grâce venant de Dieu. Ce n'est pas d'abord nos propres efforts. Il nous a fait la grâce de venir écouter la parole de la vie. Afin que nous puissions marcher toujours sur ce chemin. Pendant que son nom soit béni. J'ai dit que son nom soit glorifié. Lui qui nous a donné la force. Amen. Amen. J'aimerais te dire, il ne faut avoir peur de rien. Parce que le Seigneur est de ton côté. C'est la seule et la plus grande consolation de ta vie. De ta vie, c'est la seule grande consolation. Le Seigneur est de ton côté. N'importe quel message l'on pourrait te donner. Sache que le Seigneur est avec toi. Il est là pour te délivrer. C'est son travail. C'est son poste. On dit il vient en aide à la postérité d'Abraham. C'est son poste à lui-même Dieu. Amen. 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 Il nous montre la victoire avant que le combat n'arrive. C'est pourquoi l'on vient de chanter, nous élevons son nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus qu'une bannière dans les cieux. Vous connaissez la bannière? Est-ce que vous voyez les bendeles? C'est comme les drapeaux. Ils ont le Lorsque deux groupes
groupes sont en train de s'affronter, est-ce que l'un parvient à remporter la victoire et que Gumamoko et Lodi Moniga et qu'il les emporte sur eux et Aïbina ils ravagent leur territoire. Ils s'élèvent un drapeau sur leur territoire pour montrer que nous les avons envahis. Et qu'ils nous sont vraiment assujettis. Et que c'est ce que Jésus-Christ est pour nous. Et la monde est pour la terre. Il est la manière qui se dresse avant même nos combats. Si vous lisez Esaïe 18, là-bas, oh, Dieu lui-même est en train de dire. Et les nations, venez. Venez attaquer Israël. Venez vraiment les combattre. Et en même temps, il appelle les nations pour combattre son peuple. Et il dit encore, lui-même est Dieu. Il est en train de dire, regardez la manière qui se dresse sur les nations. C'est ça Dieu. Il peut soulever des combats. Il peut permettre des combats. Mais en même temps, pour te montrer que tu as la victoire, tu ne dois avoir peur de rien. J'ai dit que tu ne dois avoir peur de rien. Tu es capable d'enlever la mort si elle était préparée contre toi. Tu es capable d'enlever la maladie si elle était préparée contre toi. Et au nom de Jésus-Christ, voilà la parole de Dieu. On avait dit si la foi passée. Que ta force s'élèvera au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une force illusoire. Vraiment la puissance de Dieu. Au nom de Jésus et les choses changent. Au nom de Jésus et les liens se rompent, frère. C'est un nom puissant. C'est vraiment une bannière. J'aimerais te dire ceci. Parfois dans le monde des ténèbres, on t'a déjà enterré il y a longtemps. Mais ils s'étonnent comment toi tu es en train de vivre. Ils s'étonnent comment toi tu es en train de marcher sur les autres. Parce que Jésus-Christ ne le veut pas, il est à bannière. Yesu Christ a lingi angote yazali bende la yo. Ce sont des paroles de ces gens-là. Ceux qui ezalaki ko ne parle na bato wana. De leurs paroles. Na maloba na bango. On ne serait pas vivant jusqu'aujourd'hui. Et puis c'est aux gens avant qu'on était là. On ne serait pas ce que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Donc on a la terre haute aux ailes et l'eau. Mais si nous sommes ce que nous sommes. Ceux qui aux ailes haute aux ailes. C'est parce que Jésus Christ nous soutient. Ils appellent Yesu azali pour ça les amis. C'est notre bannière. Côté yazali bende la yo. Que son nom soit encore béni. Que son nom soit glorifié. Nos familles africaines. Il y a Batomoui. Pour ne prendre que cet exemple-là. Ce sont des familles terribles. Et ça, ma bouta ou ça, ma cambodélé. Dans le monde des ténèbres. La ma cambodélé. Des familles très terribles. Et ça, ma cambodélé, ça, ma cambodélé, ça, vraiment. Mais nous faisons peur à ces gens-là. Mais ils sont au bas, ils sont à ma tournée. Parce que la puissance de Jésus-Christ est plus terrible. Oui, témoignage à Jésus-Christ, on équipe au bas, ils sont à ma tournée. La puissance de Jésus-Christ. Oui, à Jésus-Christ. Est épouvantable. Mais allez, on est l'ingisaka. Aucune puissance n'est au-dessus de la puissance de Jésus. C'est pourquoi je vous prêche sur les grâces de David. Nous faisons d'abord la lecture. Je prends le verset 20 de Psaume 89. Jusqu'au verset 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple.
peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur le fleuve, sa droite sur la mer. Lui m'invoquera. Tu es mon père. Mon Dieu, et le rocher de mon salut. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ces sept lectures. On avait déjà parlé de David. On avait dit que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui était avant qu'il ne soit manifeste. Avant qu'il ne soit manifeste ou manifesté en Israël. Il était déjà. Parce que le Seigneur a dit, j'ai prêté secours à un héros. Cela veut dire David était déjà héros avant qu'on ne vienne le trouver. On avait aussi expliqué cela. On avait dit que pendant l'ancienne alliance, pendant qu'il était d'abord un mystère, lui c'est lui qui faisait des exploits parmi le peuple. C'est lui qui délivrait le peuple lorsqu'ils étaient en difficulté. C'est lui qui délivrait le peuple lorsqu'ils étaient des captifs. Mais c'était d'abord en mystère. Mais il y aura un certain moment, il viendra se manifester afin que le Seigneur l'établisse chef de son peuple. Il commence à sortir avec le peuple. Sortir et retourner avec le peuple afin que le peuple ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Donc avec cet homme là, la sécurité du peuple est assurée. Sécurité à peu près à l'Ipenza et à Bozala. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était vraiment le roi que le Seigneur avait choisi pour le peuple. Mais le roi qui était avant, comme Saoul, pendant que David était dans les mystères, c'était seulement le roi que Dieu avait placé en l'entretemps. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Samuel est allé parler à Saoul, il dit le Seigneur déchire ton royaume. Il dit le Seigneur déchire ton royauté pour la remettre à la personne qui est plus meilleure que toi. Cela veut dire celui qui viendra après, il sera plus meilleur que Saoul. Et c'est Saoul là, comprenez seulement que c'était l'image de la loi. Parce que la loi n'était pas meilleure que la grâce. C'est avec la grâce de Dieu que la sécurité du peuple sera assurée.
Et c'est ainsi de là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et à lui, le Seigneur a fait des grâces. Et parmi les grâces, et parmi ces grâces ou ces faveurs, le Seigneur dit, il dit, ma main les soutient. L'ennemi ne les surprendra pas. Les dimanches passés, on avait expliqué sur le soutien de Dieu. On avait d'abord commencé par dire que toutes les grâces faites à David, c'est dans l'huile qu'on avait versé sur lui. Amen. Amen. C'est dans l'huile qu'on avait versé sur lui. Et on avait montré que cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en lui-même a des vertus ou des qualités. Des grâces. Une fois que le Seigneur verse sur toi le Saint-Esprit, il te sert du Saint-Esprit. Tu te retrouves aussi avec les grâces de David. Parce que le Saint-Esprit, c'est les sons vraiment pour les saluts des saints. J'avais dit que nous allons y revenir. Maintenant, si Dieu te donne le Saint-Esprit là, il ne peut pas les retirer. Il ne peut pas reprendre ce qu'il t'a donné. Amen. Maintenant, tu vas voir les détails de cet esprit, de cette huile ou de cet esprit. Qui sont les composantes de cet esprit là? Dans les paroles de grâce de David. J'avais dit que celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais se perdre. Les gens qui disent, le Seigneur lui avait donné le Saint-Esprit. Et à un certain moment, il lui a retiré. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est un don. Le Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. Quand Dieu fait un don à quelqu'un, le Seigneur ne s'en répond pas pour le lui retirer. On dit toute grâce excellente. Et tout parfait. Revient d'en haut. C'est le Père des Lumières. Il y a mis changement. Ombre de variation. Il n'y a pas de variation là-bas. Ma main
les soutiendra. Et moi, les fortifiera. Alors on doit voir ça dans la vie du véritable David. Si quoi c'est que tout le monde en donne après tu as bon pour le véritable David, c'est Jésus-Christ. C'est David la seule des années de Jésus-Christ. Dieu l'a soutenu. Le légué ni Zamba et Batri n'a pas ça l'Isaïe. Amen. Amen. Si vous regardez les jours. Ce qui doit aller mon colo. Où Satan était venu les tenter. Mon colo là, Satan a rien qui peut me gagner. Il y a dit. A même ça qui. Il y a amené du haut du temple. A même hier les colo y a tenté. Il dit jette-toi en bas. A même moi comment la m'avait dit. Parce qu'il est écrit à ton sujet. Je te promets qu'il a dit là d'ailleurs. Qu'il l'ordonnera à ses anges. Il y a à peu près sa mitine dans la maman de la hier. Afin qu'il te porte. Je te bats mes maillots. Pour que ton le coronavirus est à l'ibaroute. Amen. Amen. Pour que ton pied ne se heurte contre une pierre. Le coronavirus est à l'ibaroute. C'est le diable qui nous révèle que cette écriture l'a parlé de Jésus. C'est quand les amis de Saint dans les amis côté de sa mission de l'économie, les amis de Jésus. Et qu'il devrait être porté par les chérubins. Et le Seigneur l'Iban me maillait Nama. Moi, je suis à ma casse. Des chérubins, ma kérouba. Kérouba. Chérubin Kérouba, c'est ça là? Par des chérubins? Par des Kérouba? Afin que son pied ne heurte contre une pierre. Tiens, le colonaïe, tout à l'ibangate. La pierre dont il est question là n'était pas la pierre physique. Et ça, l'ibanga, oh, le physique était. Amen. Amen. Que le Christ, lorsqu'il viendra, et dans le Messie à Kouya, il ne se heurtera pas contre une pierre. Akouya, bah, akoubeta, la libanga, parce que la pierre. C'est l'écriture. Oui, c'est le la pierre, c'est la parole. C'est heurté contre la parole. Tout à la libanga, c'est la transgression. Les pour le donc Christ est en venant dans le monde. Pendant tout le temps de sa marche. Tout le temps de son ministère. Il ne devait transgresser aucune écriture de Dieu. Il devait marcher selon la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dans sa vie. Il n'avait jamais péché. Même en pensée. Même la macanisé. Il n'avait jamais soupçonné quelqu'un. Comme toi et moi, parfois nous le faisons. Il n'avait jamais fait cela. Il était vraiment saint. Il était vraiment un homme pieux. Il était un homme juste. Parce qu'il était écrit à son sujet. Et il s'est apporté par les chérubins. Afin que son pied n'ait pas été. Amen. 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 Je crois que tu as eu la maîtrise. Afin que son pied ne garde pas contre une pierre. C'est pourquoi même à la fin de sa marche, il a montré que le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui en moi. Mais parce que le prince de ce monde devait venir. Il avait déjà tenté trois fois dans le désert. Et il était parti pour entendre. Alors il devait encore revenir. Mais Jésus nous signale. Mais Jésus nous signale. Mais il n'a rien de lui. Quand il a eu le passage dans les athées. Parce que la main de Dieu l'avait soutenu. Et le bon pour l'ensemble, ça a dit qu'on soutenait. Une des images. Une des images. On a montré que Dieu aussi l'avait fortifié. Cet esprit-là, lorsqu'il était descendu sur lui, les apôtres ont témoigné que Dieu l'a moins de force et de puissance. Amen. Et puis lorsque dans Gethsémané, il voulut se décourager, Limona nous a montré un ange venu le soutenir. Véritable David lui-même était soutenu par Dieu. On a voté ça que David y a solo solo Nazareth qui a suivi Nazareth. Aussi Nazareth on a vécu plus au père au corps. Non mais nous sommes les fils de David. Le corps a des aliments dans la parce que la Bible
dit à la résurrection de Jésus dans Actes 13, le verset 33, le verset 33. La personne dit que je vous donne les grâces de David. Ça, c'est l'enseignement de Paul lui-même. On dit amen et c'est fini. On dit amen. Et c'est tout. Et à la résurrection de Jésus, Dieu nous a donné les grâces de David. Cela veut dire que Dieu aussi nous soutiendra. C'est pourquoi j'avais dit, étant un homme dans la marche, si tu vois une répercussion de la vie du péché, demande de la grâce de Dieu. Dieu peut te faire une promesse, mais on entre aussi en possession de cette promesse. J'ai dit on entre aussi en possession. Amen. Amen. Dieu, il peut te dire quelque chose. Mais pour y entrer en possession, tu vas combattre. Mais par la grâce, la promesse est déjà pour toi. À la grâce, cette promesse là est pour toi. Parfois, on donne la prophétie à quelqu'un. Que tu as dit que tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Et directement, il se lasse de prier. Parce qu'il se dit que Dieu il accomplit toujours ses actes. Dans le principe de Dieu, il aime aussi voir quelqu'un dans l'œuvre. Si lui a fait la promesse, même ceux qui a la vous savez, il est revenu que vous allez posséder le pays de Canaan. C'est vraiment la promesse de Dieu. Mais il y avait ceux qui s'étaient distraits par le fils d'Anak. Ils s'étaient distraits, vas-y, qui y va? Ils ont fait des chers, ils ont dit, oh non! Ils vont nous manger comme des sauterelles. Alors Dieu s'est irrité. Moi je vous ai déjà fait la promesse. Écoute, vous allez posséder le pays. Je te dis que la promesse est plus forte que les réalités de notre vie. Mais il fallait qu'il puisse combattre ses fils. Que les promesses étaient leurs. Amen. Amen. Donc Dieu peut te dire quelque chose. Mais tu entres en possession aussi de cela. On a vu des gens dans les Écritures. Dieu lui fait une promesse. Mais à un certain moment, il a vu que cela est en train de prendre du temps. Il est allé prier Dieu. Il a dit, tu avais dit ceci. Moi, je l'avais retenu. Tu m'avais fait cette promesse. Maintenant, il est temps que tu puisses l'accomplir. Parce que Dieu a dit, ma main les soutient. Tu ne peux pas être là en train de tomber tous les jours dans le péché. Tu avais dit que sa main, sa main te soutiendra. Sa main te fortifiera. Tu dois toujours prier le Seigneur pour qu'il puisse changer ça. Le Seigneur a dit, yo sembe la toujours, sa main peut être à mon moulin. Aucun péché n'est au-dessus de la force de Dieu. Jésus-Christ à la croix, il a tout vaincu. Yes, ce n'est pas la masturbation, frère. Parce que je vois les gens, ils disent qu'il y a des péchés qui sont collants. Parce que la monnaie va tout ça bien tes armes à son pas les gens facilement. Et je te dis par la prière faite avec le
Saint-Esprit. La Bible n'a pas besoin de le sang au Saint-Esprit. C'est la parole qui est abandonnée au nom de Jésus-Christ. Ce qui a porté par la parole à Jésus. Même la sorcellerie. La lumière qui. Il y a des gens qui disent les sorciers ne se répandent pas. Les sorciers qui ne se répandent pas, ce sont les fils de la perdition. Mais les sorciers qui sont appelés au royaume, ce sont ceux qui sont appelés au royaume. Les sorciers qui sont appelés au royaume, ils affublent la transgression. Ils affublent la transgression. Et ils obtiennent miséricorde. Et Dieu leur donne le Saint-Esprit sort du salut. Et Zamba appelle ça dans ma bouche au sens de la puissance de Dieu. Ces choses ne sont pas des simples histoires. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je ne vous prêche pas les histoires passées. Et puis, je n'aime pas prêcher les histoires. Parce que j'ai déjà écouté un prédicateur qui me dit, tu vois ces choses-là. C'est seulement du temps des apôtres. Non, c'est toi qui es distrait. Dans ces choses ici, si tu mets la foi, tu verras la main de Dieu. Tu verras l'intervention du Saint-Esprit. Parce que nous ne prêchons pas l'histoire, frère. Nous ne prêchons pas les choses là passées. Nous avons toujours cru. Quand le Seigneur a opéré des grandes choses avec ses gens, il est aussi capable de les opérer avec vous. Vous savez, si tu crois que Dieu a la vieillesse de Sarah, Il chantait bien à l'église.
croyait ma malade dans l'église. Il prêchait bien. Attends qu'on s'en côté à malade. Même il était libéral. Attends qu'on s'en dit qu'on peut s'en facilité. Tu es donné la victoire. Et que l'antenne a eu l'homme de Zotan Issama. Mais la carte d'ailleurs, le Congo, nous a contourné ça. Quoi? Et ça l'a dit Nini. Et ça l'a dit malade en mal. Et ça demandait l'intervention de l'homme de Dieu. Mais ils avaient dit qu'on s'est allé soumis à Rosa et la Zambé. Et lorsqu'il a obtenu la solution, il était heureux. Il était heureux. Il était heureux. Il était heureux. C'était plus que la victoire. Mais nous savons que c'est le moment de l'écart qui m'a eu l'ombre à l'heure après ça. Il a vraiment reconnu que Dieu est dans ce pays. Mais il n'a pas dit la bosse sur laquelle Zambé à Israël a Zambé. Il a pris même les sables, la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans la joie. Parce que ça l'a dérangé. Ça l'a dérangé. Malade, il pouvait tout faire. Quoi, ça l'a mis en se tourner, il regarde ça. Il ça m'inquiète pas. Maladie, aujourd'hui, il a été pour la nuit. Comment ça ne quitte pas? Je te dis que le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur est capable de t'enlever ça. Même les impudicités, ce n'est pas impossible. Même les impossibilités. Le Seigneur est capable d'enlever ça au nom de Jésus. Il a venu lui-même sa main, soutiendra. Il a encore avancé. Il a dit à David, l'ennemi ne te surprendra pas. Non, Dieu est bon. Moi j'ai toujours dit ça. Quand Dieu aime quelqu'un, c'est fini. C'est ce qui importe le plus. Quand Dieu aime quelqu'un. C'est fini. On va laisser. C'est pourquoi on chante le Seigneur même. Bonheur suprême. Et ça, bon là, bon, les alcools. C'est fini. Il lui a fait la grâce. Il a dit l'ennemi ne me surprendra pas. Regardez la bonne David que nous prêchons dans les Écritures. David, on se trouve à la patte de ma commune. Cet homme-là. Motorola, il n'avait perdu aucun combat de sa vie. A Ebaki la David oh non, David a perdu le combat. Non, David Manouma qui est là et tout Mawala. Oh, un jour il était là, les ennemis l'ont surpris. Oh, et ils ont fait de lui un captif. Mais cela n'était jamais arrivé dans sa vie. David dans tous les combats et les batailles qu'il a eu à livrer. La Bakoma il était toujours vainqueur. Amen. À moins qu'il utilise une stratégie de sortie d'abord. Le mot de Asa et la ruse. Comme il avait fait avec Absalom son fils. Le mot de la ruse et la ruse. Ils arrivent. Ils sont d'abord sortis. Mais lorsque la bataille est venue, il est retourné. Parce qu'il a fait la promesse de ne jamais perdre un combat. Oui, tu as dit qu'il a fait l'ennemi ne les surprendra pas. L'ennemi ne les surprendra pas. De la même manière avec Jésus-Christ. Qui est le véritable David? L'ennemi ne l'avait jamais surpris. Même lorsqu'il était enfant. Même étant où il y a Hérode. Il a dit aux mages. Lorsque les mages sont venus vers lui. Pour lui dire qu'ils ont vu l'étoile du Christ. Et ils sont venus pour adorer. Et tout Jérusalem ne savait pas ce qui s'est passé. Regardez les telles églises. Un événement majeur qui se passe. Mais même le prédicateur est là. Il ne sait pas. On a appelé les sacrificateurs. Pour s'enquérir. Vous devez être le Christ. Ils ont dit seulement à Bethléem comme
ce qui s'est passé, on ne doit pas être de telle sorte d'église. Ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire dans les temps. Parce qu'ils étaient établis sacrificateurs pour cette étoile-là. Cette étoile-là, j'aimerais qu'ils puissent les recevoir ou la recevoir. Mais eux-mêmes, mais les gens qui venaient de loin, les bateaux basaient dans le sika, qui les annoncent qu'il y a une étoile. Les bateaux comme ça parlent des armes, ils sont tous les hommes là. Amen. Amen. Ils sont venus. Mais d'ailleurs qui? Hérode allait adorer. Hérode a salué Israël, mais quand il voit qu'il a le coup, après vous deviendrez. Si par la bonne chose ne parle pas. Et vous allez nous donner des informations exactes. Mais vous pouvez s'engager, bah, ma tamonio songo et vous allez adorer. Et moi aussi j'irai adorer. Vous êtes engagé pour la télé Gogo Babela. Ils sont allés. Mais dans quel endroit ils vont? Ils ont adoré le Fils. Dans mon bain de Gogo Babela. Mais Dieu, mes amis, leur a dit de ne pas retourner par le chemin. Mais c'est ma bonne chose et la langue là est bonne. Parce que que je sois maudit. Et là, la on
ne joue pas avec ces choses, frère. Tout ce que les apôtres ont dit. Doivent être gardés comme ça. L'entrée dans l'église. Parce que c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas retourner par les chemins de l'enseignement. On est venu de là. Et on ne doit pas retourner après avoir connu la vraie. Amen. Parce que les rois c'est un renard. Les renards Magambala. Ma vigne. La vigne, c'est l'église de Dieu. Vigne, la vigne, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Les renards. Ça aussi, c'est un autre enseignement. On appelle ça les maximosus. Mais c'est moi, je disais. Mais dans un colo, Dieu n'avait pas permis que les fils. Zambé, à tout le que moi, là. Les fils soient surpris. Et à. Azala, autour de son être au Soutoukissa. Il a dit au marche et retourner plus par son. Aïmissi, Batonaïe, les beaux sont dans la Il a dit à Joseph. Aïmissaki, dans Joseph. Hérode va essayer de tuer l'enfant. Et Hérode, dans son cas, on va tuer l'enfant. Lève-toi et va en Égypte. Et Yéos, on va en Amouk et Naïs. Il s'éleva nuitamment. Joseph il prit le petit enfant. Et il s'enfuit en Égypte. Et Bakimou, dans Égypte. Parce qu'il ne pouvait pas être surpris. Amen. Même pendant son ministère. Même la table à Mosala. Même quand les gens venaient pour les piéger. Avec des questions. Pour l'attraper. On ne les surprenait pas. Parce qu'il avait la promesse de ne jamais être surpris. Et même ce jour-là. Et même ce jour-là. Hein? Lorsqu'on a arrêté. Il pensait qu'il l'avait surpris. Qu'on l'avait surpris. Ah! Alors qu'ils savaient déjà qu'ils allaient venir. Okay, ils ont vraiment vu. On a pris Jésus. Et on a battu des verges. Et on a déshabillé. Et on a crucifié. Et ils pensaient que comme on l'a fait comme ça. Qu'on a humilié, on a surpris. Alors qu'on n'avait pas surpris. C'est là-bas qu'il les avait vaincus. Il les avait vaincus à la mort. Parce que Dieu avait dit à un prophète. Il a dit, viens. Il a dit, dépouille-toi de tes vêtements. Et enlève aussi tes chaussures. Et enchaîne-nous. Ah! Les prophètes. Le prophète. Il était père de famille. Il avait aussi une femme. Je n'ai pas dit que si tu es prophète aujourd'hui, que toi si tu dois marcher comme ça, c'est une recommandation. Là, je ne crois pas d'abord à ça. Dieu lui a dit de marcher comme ça. Maintenant, tu es en train d'expliquer. Il dit, vous voyez ce qui arrive. C'est un jugement contre l'Éthiopie et l'Égypte. Il dit dans 3 ans, je crois. Je veux frapper l'Égypte comme ça. Je veux frapper l'Éthiopie, je veux l'Éthiopie. Les prophètes qui marchent nus et des c'est le jugement des nations. Et ça, c'est ça, Il croyait qu'ils l'ont surpris. Mais c'était lui qui les a vaincus.
Amen. Parce qu'il était le véritable David. Il ne pouvait pas être surpris. Parce que c'était prié. Cela veut dire qu'on a remporté la victoire sur la reste. C'est pourquoi quand Paul a vu ça, directement, il a dit qu'à la fois il a été prié. Les allait voir un spectacle. Ils ont vu un homme ni connu ni lié. Et lui là-bas, il a fait tout est accompli. Tout est accompli. C'est comme aussi dans l'histoire de Mardoché. Aman. Aman. Il a pris Gédéon. Il a pris Mardoché. Il l'a fait marcher en public. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. C'était l'humiliation de Naaman. Ces enfants qui ont interprété ça. Et les amours, c'est la même chose. Si c'est Mardoché, qui est de la race des Juifs, tu commences déjà à tomber. Quand il a pris Aman, il a pris Mardoché. Il commence à présenter les gens. On a appelé ça sa chute. C'est un spectacle. C'était l'humiliation. Il pensait les surprendre. Mais c'est lui qui les a surpris. De la même manière, toi aussi. Je t'ai dit, personne ne peut te surprendre. Même si les gens font des projets de ténèbres contre toi, cela sera mis le sang fait au nom de Jésus. Si on te prépare la mort, Seigneur, voit la vie au nom de Jésus-Christ. Même dans les songes, même la si tu es concentré, le Seigneur va te montrer les complots au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la lumière, tu te sanctifies. Si on va te révéler cela au nom de Jésus-Christ, en fait que tu ne sois pas supporté. Est-ce qu'il avait lui-même dit? L'ennemi ne les supporte. Il ne va pas les supporter. Si une maladie veut venir, c'est une maladie. Dieu va te montrer la maladie. Amen. S'il ne te la montre pas, il va te mettre seulement les soucis de prier. Tu sens que ce jour-là, tu t'es réveillé. Toi-même, tu ne comprends pas comment je suis. Il a déjà vu un malade qui veut venir. Mais ta malade, il les a mangés beaucoup les oreilles. Il veut que tu pries, enfin que tu puisses le faire. Parce qu'il est le Dieu qui ne permet pas que ses enfants soient. Si tu vois un frère se faire surprendre, comprenez qu'il n'est pas dans la lumière. Il est dans la distraction peut-être. C'est pourquoi ces choses l'ont surpris. Mais s'il est dans la lumière, il est connecté. Dieu ne permettra pas qu'il soit surpris. Il va lui donner des avertissements sur sa propre vie. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ça, parce que Satan aussi prépare les choses de loin.
Sur la vie des gens. Il peut te préparer un faux mariage. Il sait. Comme ça, en étant célibataire, il ne te prendra pas. Il veut te faire passer à côté de mon partenaire. Il te prépare vraiment énorme du monde éternel. Une femme du monde éternel. Amen. 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 Amen